Fern, c'est moi. Fern, c'est moi. I am the dummy. I am. The dummy, check. Bravo, mon Fern. T'apprends vraiment vite. T'es un excellent élève. You're a real good sucker. Merci, Edmond. C'est bon, pourrais-tu, justement, parlant de check, Fern, me faire le check que tu me vois? Alors, justement, j'allais ici, ouais. Le check pour les cours d'anglais. Écoute, je voulais te parler de ça. Maintenant que t'es bilingue, ça te prendra un contrat à long terme. Oublie pas, mon Fern, que c'est bien beau le talent, mais l'argent, comme on dit, ça s'achète pas. Un contrat à long terme? Oui, oui. Pour mon salaire? Mais oui. Mais je suis pas capable de négocier ça. Rien qu'en rencontrer mon boss, ça me me cache dans ma cause. Oui, mais Fern. T'es pas plus intelligent qu'un joueur de baseball ou que Chris Nyland. Fais donc comme eux autres, engage-toi un agent. Ah, un agent qui s'occupe de mes affaires. C'est ça, check. Quelqu'un de honnête, intègre, autour de toi, là, mon face. Ma cause. Non, moi, Fern, ici même, je suis ton homme, you're my slave. Ah, Edmond. Oui. Tu vas être mon agent à négocier mes affaires. Mais oui, tu connais ma devise, un pour tous et 50% pour moi. Ah, ben oui, 50%, c'est pas cher, ça. Mais non, c'est donné. Ça m'intéresse, moi, Edmond. Je t'arrange les papiers, tu passes à mon bureau et on signe ça aujourd'hui même, mon Fern. OK, Edmond, je vais te voir dans 5 minutes, check. C'est ça. Merci, Edmond. Hey, c'est un bon gars, Edmond. Ah, il est correct. Hey, c'est le fun, 50% pour lui. Il reste 50% pour moi. Je peux faire ce que je veux avec ça, moi. Hey, je sais pas si. Je devrais pas lui donner un petit pourboire, hein, ouais. Puis ça vaut bien. Ouais, un pourboire, tu sais. C'est une chose, hein. Eh bon, hein. Ben, papy. Avec la moitié d'une bière, c'est meilleur. L'autre moitié, c'est pour Edmond, check. OK, Edmond, pourboire. Allez, correct.